C'est avec même plaisir nous rentrer la CAONACA, deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant, quelques principales informations qui pralent dominer l'actualité à collectif élu qui dit aux victimes de l'abus KEP a été indifférent pour dénoncer comportement membre commission évaluation électorale indépendant qui fait connaître mission, c'est évaluer seulement élection présidentielle. Selon le dirigeant collectif, l'évaluation doit faite non seulement sous élection présidentielle, mais tout élection municipale et législative. Plusieurs dizaines de directeurs de l'école qui inscrit dans le programme Psygoaté planté piquet bien bonnet devant local qui logeait le ministère de l'Éducation nationale et de formation professionnelle, je ne m'en dis 29 décembre 2015. Là. Objectif sitting, ça c'est pour exiger le ministère payer l'argent 2 ans, il a laissé quoi l'État haïtien doué. Observatoire haïtien sous traite à trafic monde exprimé inquiétude face à la crise migratoire qui n'est pas suspendue entre Haïti et la République dominicaine. Dirigeant observatoire qui critiquait le comportement de l'État haïtien, lui fait connaître qui fait mesure de niveau saillot sous situation migrants haïtiens en République dominicaine, manque de pour communauté internationale là prend toute disposition pour contrôler le processus rapatriement qu'a fait sous frontière haïtiano. Dominicaine, non pays l'autre bord de pays Guinée, déclaré officiellement comme pays qui débarrassait la épidémie Ebola. Dirigeant Organisation Mondiale Santé qui fait connaître, c'est une étape importante soulignée. Maladie Ebola pas finie en Afrique de l'Ouest. N'a pas rappelé, maladie Ebola la cause de mort environ 11 300 monde depuis mars 2014 pour arriver journée jeudi. Tout côté, yeah. Il y a tout côté. Oh, maes, le agent a passé sous nous par sa papa. Oh oh, bon bon cadeau bon acheter la bode. Ni moins tout. On lagué. Toujours sentiment sécurité grâce à Unibank tout côté. Galetti quatre pam nan pour m'acheter parce que Unibank tout côté, nous tout côté. Yeah. Unibank tout côté, nous tout côté. Yeah. Unibank tout côté, nous tout côté. Maes, ça arrive au contraire comme ça, man. Pas que t'en prends rien, man. Quand ça passe, on met à le faire 4 Unibank tout côté pour là, man. Trust me, word. Unibank tout côté, il simple, il rapide, il prend. Pour plus d'informations, relez-nous dans 2499 2020. Unibank tout côté. Pendant la saison fête là, là on fait un transfert pour Pipiti 250 gouttes ou même qui fait transfert à un qui recevoit transfert, a joint 10 minutes gratis pour faire appel Digidigi. Profitez moment ça pour faire Noël la plus belle avec mon cash. Mon cash, mon cash, moyen plus pratique pour voyer et recevoir l'argent. Collectif élu qui dit aux victimes de l'abus KEP a paraité indifférent pour dénoncer comportement membre commission évaluation électorale là qui fait qu'on est mission c'est évaluer seulement élection présidentielle selon dirigeant collectif que évaluation doit faire non seulement sous élection présidentielle mais tout élection municipale et législative. Anthony Dumont c'est coordonnateur collectif élu qui dit aux victimes de l'abus KEP a qui t'apporte plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Thank you.
Toujours dossier d'élection, Commission nationale épiscopale justice à la paix exprimé préoccupation sur avancement processus électoral là. Responsable Gilles Lapio qui fait qu'on est commission évaluation électorale là déjà rencontré yo déclaré yo espéré commission prend en considération recommandation Gilles Lapio. Jocelyne Collas est président commission épiscopale justice à la paix qui est dans le micro radio télé éclair. Dans l'information, réseau national éducateur haïtien exprime préoccupations sur la situation socio-politique et économique pays d'Haïti. Dans l'intervention, il y a un membre réseau à Nissage Mathurin fait diverses propositions par l'État haïtien pendant le mandat pour le conseil électoral provisoire camper sous processus électoral là, et puis plaider en faveur d'une conférence nationale dans l'idée pour sortir pays d'Haïti dans une mauvaise situation politique. Les trouvelles, Daniel Joussaïo. Nissage Mathurin, c'est un membre réseau national éducateur haïtien qui t'a apporté plus de détails dans le micro Whitlin Eliassé avec Muller Baptiste. L'autre information, observatoire haïtien sous traite avec trafic pour exprimer inquiétude face à la crise migratoire qui va suspendre notre Haïti à la République dominicaine. Dirigeant observatoire qui critique le comportement de l'État haïtien, il fait connaître qui fait mes yeux les niveaux saillants sous situation migrants haïtiens en République dominicaine, mandé pour la communauté internationale la prendre responsabilité pour contrôler le processus rapatriement massif qu'a fait sous frontière haïtienne. Dominicaine, non, Pierre Garot, négresse, coordonnateur général adjoint Podemir, qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair.
Dans l'information, la Commission nationale épiscopale justice à la peine en occasion, fête fin d'année, adressée à tous les citoyens qui trouvent des barreaux. C'était une occasion pour coordonnatrice Gilles Laplace dresser un tableau somme sous situation prison dans le pays. Jocelyne Nicolas fait qu'on ait un bon genre de disposition qui prend pour faire respecter les droits prisonniers. Jocelyne Nicolas, c'est coordonnatrice générale Gilles Laplace qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Dossier éducation, plusieurs dizaines de directeurs de l'école qui inscrit dans le programme PSUGO a été planté piquet au bien bonnet, journée mardi 29 décembre 2015, dans le vol local qui logeait le ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle là, dans Port-au-Prince. Objectif sitting, ça c'est pour exiger le ministère payer l'agent deux ans, il a laissé quoi l'État haïtien de Rio. On a bien évité suivre déclaration plusieurs noms pour tester au micro Radio Télé Hitler. Comme appel téléphonique, nous avons ces gargotes manigap fait avec à toute notre bande de gouvernement. Donc, pour comprendre, depuis l'année 2013-2014, certaines écoles vont rampayer. Et l'année 2014-2015, on va rampayer nous. Ça fait deux ans. Pour en pile l'école, pas dit pour toute l'école, mais pour en pile l'école. Et nous-mêmes personnellement, le ministre Maniga était chita avec nous le 16 novembre. Pour nous soumettre nous liste pour l'organisation. Qui est 168 l'école. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Maniga va payer. Et ça qui est plus drôle, le directeur général, là, M. Telfort, il prend presque la matin pour le dire, il ne paye pas parce qu'il n'y a pas de patente. Demandez à qui naît, à qui j'ai l'impression que Telfort est là pour parler, il te met tout lunettes noires dans les yeux. Je pense que je te mets tout fauné, tout dans les yeux, pour te garder une parole comme ça. Bonne fois.
nous signer avec le gouvernement, en ne contrat pas un article qui m'a les patates, n'a fait venir nous qui côté qui article qui m'a les patates là. Or, nous pas que une patate si actuellement dans la prison là pendant comme pendant revendiquer là. Les vrai n'a pas dit mais nous que ça qui est tout article là pas un article là dans qui dit pas patate mais l'a fait devant caméra la presse là pas un contrat m'a les patates qui donc ça fonctionne du tout. Dans le pays, l'autorité américaine a annoncé l'embondissement important dans le groupe État islamique pendant le mois de décembre 2015. Certains assaillants ont allié directement à un dernier attentat qui était fait dans la ville Patrio. Il y a un djihadiste, Chakaf Al-Mouadane, qui est un français et un ami personnel avec Abdelhamid Dabarou, un acteur principal attentat Paris 13 novembre passé. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Sur les réseaux sociaux, le djihadiste français était connu sous le nom d'Abou Souleymane. Sharaf Al-Mouadane, 26 ans, a été tué il y a quelques jours lors d'un raid de l'armée américaine en Syrie. Sharaf Al-Mouadane était dans les rangs de l'État islamique en Syrie. Il était en lien direct avec Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attentats de Paris. Nous l'avons tué le 24 décembre en Syrie. Il était en train de planifier de nouvelles attaques en Occident. Le Pentagone précise avoir tué ce mois-ci 10 membres importants du groupe État islamique grâce à des frappes aériennes ciblées. Sharaf Al-Mouadane, lui, était en lien avec Abdelhamid Abaoud, le commanditaire des attentats de Paris et Saint-Denis, mais surtout avec Sami Amimour, l'un des kamikazes du Bataclan. Les deux hommes ont grandi ensemble dans ce quartier de Drancy. En 2012, ils avaient été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer une attaque terroriste. Depuis, Sharaf Al-Mouadane avait rejoint les rangs du groupe État islamique en Syrie. Son nom apparaît désormais dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre. D'après le témoignage d'un rescapé du Bataclan, les assaillants auraient cherché à contacter un certain Souleymane, le pseudonyme qu'il s'était choisi. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, le pays Guinée est déclaré officiellement comme pays qui débarrasse avec l'épidémie Ebola. Dirigeant l'Organisation mondiale santé qui fait connaître, c'est une étape importante soulignée. Maladie Ebola pas finie en Afrique de l'Ouest. N'a pas rappelé maladie Ebola, la cause de la mort environ 11 300 monde depuis mars 2014 pour arriver. Je ne vous dis à Canal France 24, à dire plus, non, il y a un reportage. Elle était le dernier cas connu d'Ebola en Guinée. Noubia est guérie. La petite fille a retrouvé ses proches et avec eux, a quitté l'hôpital où elle était soignée. Infectée à la naissance par sa mère, entre-temps décédée de la maladie, le nourrisson en a fini avec le virus depuis 42 jours. Passé cette période, le patient n'est plus contagieux. Le critère établi par l'Organisation mondiale de la santé pour déclarer la fin de toute transmission connue du virus Ebola en Guinée est donc rempli. L'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée est terminée. La Guinée rejoint donc les deux autres pays débarrassés d'Ebola. Libéria, Sierra Leone et Guinée-Conakry concentrés à eux seuls 99% des malades. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé reste attentive. Nous devons être très clairs. Même si c'est une étape importante, ça ne reste qu'une étape. Ce n'est pas la fin d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Si le risque persiste, c'est parce qu'Ebola peut subsister longtemps dans certains liquides corporels. Le virus peut par exemple survivre jusqu'à 9 mois dans le sperme. La résurgence est donc possible, comme au Libéria où la fin de l'épidémie a déjà été annoncée deux fois. Ebola a fait plus de 11 300 morts depuis mars 2014. Voilà, cela nous mettait fin à la deuxième sortie. Nous allons nous maintenant, mais avant nos parties, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Un collectif élu qui dit aux victimes de l'abus KEP a paraité indifférent pour dénoncer comportement membre commission évaluation électorale indépendant qui fait connaître mission c'est évaluer seulement élection présidentielle. Selon dirigeant collectif, l'évaluation doit faire non seulement sur élection présidentielle mais tout élection municipale et législative.
Plusieurs dizaines de directeurs de l'école qui inscrit dans le programme Psygoa ont planté piquette bien bonnet devant le local qui logeait le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Je vous l'ai dit maintenant, décembre 2015. L'objectif, c'est pour exiger le ministère payer l'argent 2 ans. Il a laissé quoi l'État haïtien doué. Observatoire haïtien sous traite à trafic nous exprime inquiétude face à la crise migratoire qui passe suspendre entre Haïti et la République dominicaine. Dirigeant observatoire qui critiquait comportement l'État haïtien, lui fait connaître qu'il fait mesure de niveau saillot sous situation migrants haïtiens en République dominicaine, mandé pour communauté internationale là, prend toute disposition pour contrôler le processus rapatriement qu'a fait sous frontière haïtiano-dominicaine. Non pays l'autre bord, pays Guinée déclaré officiellement comme pays qui débarrasse la épidémie Ebola. Dirigeant organisation mondiale santé qui fait connaître, c'est une étape importante soulignée. Maladie Ebola pas fini en Afrique de l'Ouest. N'a pas rappelé maladie Ebola la cause de mort environ 11 300 monde depuis mars 2014 pour arriver journée jeudi. Ces principales informations avec diverses points qui étaient faits essentiels. Deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir à tous.